Calculons l'intégrale de z2 moins 2z sur z plus 1 facteur de z2 plus 4 le long du cercle de centre 0 et de rayon R, où R est un nombre réel strictement positif quelconque. On le fait avec à l'aide du théorème de résolu. Donc on définit f, la fonction f de z égale z2 moins 2z sur z plus 1 facteur de z2 plus 4. C'est une fonction rationnelle. On va décomposer numérateur et dénominateur en facteurs irréductibles pour déjà pouvoir si on ne peut pas simplifier. Et puis pour voir où se trouve la singularité. Dans z2 plus 4 est égal à 0 si et seulement si z2 égale à moins 4. Et moins 4, bien sûr, c'est 2i au carré. Donc z est égal à plus ou moins 2i, ça c'est la racine de z2 plus 4. Z2 plus 4 se décompose comme z moins 2i, facteur de z plus 2i. Et on voit que les facteurs irréductibles sont étrangers, sont premiers entre eux. Là, c'est des facteurs de toute façon, c'est des facteurs différents, unitaires et différents. Donc on voit bien, on ne peut pas simplifier, et on voit que F possède trois pôles. F a trois pôles, en moins 1, un en moins 1, un en 2i, et un en moins 2i, et ce sont des pôles simples. Donc du coup, c'est assez facile de déterminer le résidu. Le résidu de f en moins 1, par exemple. On va donc multiplier f par z plus 1. Et après avoir simplifié, on va évaluer en z égale moins 1. En z égale moins 1. Donc ici, ça fait... Ça veut dire que ce facteur-là du dénominateur s'en va. Donc j'ai z facteur de z moins 2 sur z moins 2i facteur de z plus 2i, c'est z2 plus 4, n'est-ce pas? Donc je garde z2 plus 4 dans le numérateur et j'évalue en z égale moins 1. Donc ça fait moins 1 fois moins 3. En numérateur et en dénominateur, j'ai 1 plus 4, c'est 5. Donc au total, je trouve 3 cinquièmes comme résidu de f en moins 1. Et de même pour les autres résidus, le résidu de f en 2i, il faut tout calculer hein, parce que ici, le cercle d'intégration peut être arbitrairement grand, peut être un rayon arbitrairement grand, donc pour r suffisamment grand, ce cercle va comprendre à son intérieur toutes les singularités de f, donc il faut bien calculer les résidus en tous les points de f, en toutes les singularités de f. Donc ici c'est pareil, c'est que je vais multiplier f par z moins 2i. Après simplifier, je substitue z égale 2i. Donc ici, maintenant c'est le facteur z moins 2i qui s'en va. Donc ce qui me reste, c'est z facteur de z moins 2 en numérateur et en dénominateur. En dénominateur, j'ai z plus 1 facteur de z plus 2i. Et j'évalue ça en 2i. Donc je vais avoir 2i que multiplie 2i moins 2 sur 2i plus 1 facteur de 2i plus 2i, 2 fois 2i. Et donc on voit que 2i s'en va. Et je peux diviser le numérateur par 2
J'ai une expression un peu plus simple, i moins 1 sur 2i plus 1, que je vais donc calculer en, pour le simplifier. Bon, c'est un nombre complexe, hein, mais on a envie d'une expression simple. Donc je vais multiplier par le conjugué du numérateur, divisé par le conjugué de la numérateur, je multiplie par 1. Je ne change pas le nombre complexe, mais du coup je peux l'écrire plus simplement parce que le numérateur, c'est le module du numérateur au carré, donc c'est 2 au carré plus 1 au carré, donc c'est 5, 1 cinquième. Et ici, je vais avoir i fois moins 2i, donc ça fait i fois moins i, c'est 1, donc ça fait 2. I fois 1, ça fait i. Moins 1 fois moins 2i, ça fait plus 2i. Et moins 1 fois plus 1, ça fait moins 1. Donc au total, on trouve 1 cinquième. 2 moins 1, ça fait 1, plus 3i. Voilà. Donc ça, c'est le résidu dans f en 2i. Et maintenant, comme f est réel, c'est une fraction rationnelle réelle, en fait, le résidu de f en point complexe conjugué, c'est facile à voir que c'est le conjugué complexe du résidu de f en 2i. Donc ça va être 1 cinquième, 1 moins 3i. Voilà, donc on a calculé les résidus de f en les singularités. Faisons un petit dessin. Où se trouve la singularité? J'ai une singularité en moins 1. Et j'ai deux singularités en 2i et moins 2i. Maintenant, il y a trois cas de figure. Pour le cercle de centre 0 et le rayon R, R peut être plus petit que 1, strictement plus petit que 1. C'est le cas 1. C'est que R est strictement contenu entre 0 et 1. Dans ce cas-là, l'intégrale, par le théorème Cauchy, par exemple, l'intégrale de F sur ce cercle-là est 0. Parce que le cercle d'intégration est contenu dans une étoilée ouvert de C sur lequel f est holomorphe. Je n'ai qu'à prendre le disque ouvert de centre 0 et de rayon la moyenne de 1 et r, 1 plus r sur 2. Voilà, donc par Cauchy déjà cette intégrale est 0. Deuxième cas, c'est quand le cercle contient 1, mais ne contient pas plus ou moins 2i. C'est le cas 2, c'est le cas où R est compris entre 1 et 2. Je ne fais pas le cas R égale 1, parce que pour R égale 1, le cercle passe par moins 1, la singularité de l'intégrant, et on n'a pas défini des intégrales complexes impropres. L'intégrale n'est même pas définie pour R égale 1. Par contre, pour R strictement compris entre 1 et 2, l'intégrale est définie sur le chemin d'intégration, donc il n'y a pas de problème, et on peut appliquer le théorème de résidu. Le théorème de résidu dit que l'intégrale de F sur ce cercle-là, c'est 2i pi que multiplie la somme des résidus de singularité qui se trouve à l'intérieur de ce chemin d'intégration. Donc il n'y a que moins 1 comme singularité qui est à l'intérieur du chemin d'intégration. En plus, le cercle fait juste une tour dans le sens direct de moins 1. Ça fait juste un tour dans le sens direct de moins 1. Donc en fait, c'est vraiment 2i pi que multiplie le résidu. Et le nombre de tours est égal à 1 ici. Alors on avait calculé les résidus de f en moins 1, on avait trouvé 3 cinquièmes, donc ça va être 2i pi fois 3 cinquièmes, l'intégrale. Et le dernier cas, c'est que quand le cercle est suffisamment grand pour comprendre tout le monde, le dernier cas, le cas 3, c'est le cas où r est strictement supérieur à 2. Et bien sûr, fini. Dans ce cas-là,
l'intégrale de f de z dz, c'est 2i pi que multiplie la somme des résidus en 1, en 2i et en moins 2i. Donc ici, ça fait 2i pi. On avait 3 cinquièmes pour les résidus en moins 1. On avait trouvé un 1 cinquième facteur de 1 plus 3i en 2i et ils sont conjugués complexes en moins 2i. Donc au total, ça fait 2i pi, 3 cinquièmes, plus 2 fois la partie réelle de ce nombre complexe, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Donc ça fait 3 cinquièmes plus 2 cinquièmes, ça fait 1. Donc on trouve 2i pi. On trouve 2i pi comme intégrale.